reçu un filtre à habitacle, donc pour Renault Scénic 3 de 2012. Donc juste ici Renault, la référence AB 239C. Ça se présente comme ceci. Donc c'est un filtre à habitacle. Vous avez la marque, donc la marque c'est Misfat, avec la référence HB239C. Donc ici, vous avez l'indication pour le sens, donc vous avez des flèches, l'air circule d'ici à ici, donc ce côté-là, il sera côté devant la voiture, c'est-à-dire que l'air rentre ici, ressort ici. Bon, ben on va les mettre ça en place. Et juste ici, dans un premier temps, on vient enlever ça. Donc c'est juste des clips, hein. Assez facile. Ensuite, on va venir enlever cette baguette. On vient enlever les quatre clips. Ensuite, on referme juste ici. On vient retirer le joint pour enlever cette partie. Pareil, des petits clips. Ensuite, on vient retirer la partie sur le côté. On déconnecte la prise. Juste ici, plus toutes les vis en haut, donc c'est du T20. Utiliser un quart d'œil d'angle. Voilà, une fois que le tableau de bord, enfin la boîte à gants est déposée, on a accès à toute la partie ventilation. Donc le filtre se trouve derrière ce boîtier là. On va venir retirer cette partie là. Ensuite, on vient retirer les fils qui dérangent. On appuie. Alors juste ici, vous avez deux pattes. Vous appuyez dessus, vous tirez. Vous voyez, ça s'enlève tout seul. Le filtre. Ça s'enlève comme ça. Donc pour le mettre, faudra un petit peu le plier. Donc ici, vous avez l'entrée d'air. Avec les flèches, donc les flèches avec le flux d'air qui rentre ici, qui vient dans l'habitacle. Donc pour le rentrer, il va falloir le plier un petit peu. Et voilà, on n'a plus qu'à remettre ça.
remonter. On peut revenir. On reclipse tous les câbles à leur emplacement. On vient remettre le clips, la bouche ici, et on remonte le tableau de bord. La prise. On reclipse le tout. On vient remettre. On repositionne la finition. Et voilà. Donc voilà, ce qui est top, c'est qu'avec, vous avez la fiche pour le faire. Donc tout simplement, donc la marque FIS, pardon, MISFAT HB239-1. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous.